en tant que présidente provinciale, faire l'honneur de vous distribuer moi-même pour ceux qui sont, qui veulent adhérer chez nous à l'UVT. En tout cas, n'hésitez pas, comme a dit le rapporteur, la politique c'est nous aussi, donc le concours c'est nous. C'est la maman de nous tous.
je vous remercie. Je vais poursuivre justement avec quelques mots, parce que je suis que la porte a brossé un petit peu toutes les rubriques. Comme il a dit, nous, notre parti politique a posé ses bases, vraiment ses dents, avec Dieu. Notre slogan principal, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Pourquoi nous, c'est Dieu? Parce que Dieu est au centre de toutes choses. Et comme il l'a souligné si bien, on ne peut pas faire la politique si on ne croit pas en Dieu. Vous l'avez remarqué vous-même que notre président, que j'aimerais bien que vous puissiez le saluer, en tout cas que vous passez une à respecter, l'autre, ma droit, il a respecté, l'opposition et ainsi de suite. À nous, nous luttons
louer. Alors tous les Congolais doivent se sentir riches là où ils sont. Peu importe de nous, tous les Congolais doivent se sentir riches. Thank you.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment, je vous remercie vivement. Ensemble, on est fort. Pourquoi l'union? C'est justement parce que l'union, l'unité est assez beauté. Ensemble, on peut aller loin, on peut changer notre pays qui est la République démocratique du Congo. Je dis et je crois. Bénissons du Seigneur, qui est le maître de temps et des circonstances. C'est Dieu qui a choisi ce moment. Je suis la deuxième personnalité nationale de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Donc, je suis à côté de l'archevêque Monseigneur Isine Kamanuka. En même temps, vous me voyez, je suis au milieu de la présidente provinciale Chance, ainsi que les chanoines, c'est-à-dire que je fais le tritignon. Je fais le tritignon entre les deux organes. Je pense que dans mon petit speech, vous allez découvrir qu'est-ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous sommes là. Fait partie de l'organisation de la société civile en matière électorale. En matière électorale, je pense que beaucoup de nos quatre évêques et pasteurs n'ont pas suffisamment cette information. Vous voyez, les enjeux de l'heure sont déjà là. Cette fois-ci, au niveau du bureau national, nous avons eu suffisamment travaillé. Nous sommes des partenaires avec l'État congolais à tout niveau. C'est comme ça que vous voyez chaque fois le chef de l'État, quand il a des organisations, tout ça, le chef des confessions religieuses sont toujours là. Au niveau de la commission de justice et paix de l'UEC, nous avons trouvé qu'il fallait trouver un bon partenaire politique avec lequel on pouvait faire la marche ensemble, comme nous sommes pendant la période des élections. Cette fois-ci, l'Union des Églises indépendantes occupe aussi une place parmi les organisations de la société civile. C'est comme ça que l'UEC a trouvé un partenaire viable qui est l'UVT. On s'est mis en partenariat pour essayer de rendre notre visibilité pour ces élections bientôt qui seront organisées. Alors, nous avons pensé que l'UEC peut premièrement jouer le rôle d'observateur électoral. Le rôle d'observateur électoral, ça c'est la première vision. Parce que déjà là, c'est le mariage mêlant l'UVT et l'Église. Si l'UVT et l'Église ont se mis ensemble, nous pouvons aussi, cette fois-ci, composer 50 000 observateurs. Est-ce que c'est possible l'UVT et l'UEC? Est-ce qu'on peut m'encourager avec une bonne réponse? Le sens que nous accordons à cette manifestation, premièrement, c'était d'officialiser le mariage entre l'Union des Églises indépendantes et l'UVT. Et nous devons expliquer que l'UVT, le choix de l'UVT et de l'Union des Églises indépendantes n'est pas parce que l'UVT est en train de prôner des valeurs. Or, l'Église est en train de prêcher des valeurs. Et sans oublier, d'ailleurs, c'est l'homme lui-même qui est au centre des valeurs. Alors, l'Église, chaque fois, travaille l'homme pour que les valeurs soient prônées. Et vous savez, pour que vous ayez une bonne gouvernance ou une émergence dans un pays, il faudra que cela ait un soubassement des valeurs. Et aussi, en tant que confession religieuse, cette fois-ci, l'Union des Églises indépendantes du Congo fait partie intégrante aujourd'hui aussi dans l'organisation de ces élections, comme le gouvernement, comme la CENI, comme les candidats et comme aussi les autres organisations de la société civile.
sensibiliser l'Église de s'adhérer comme observateur. Vous savez, lorsque les élections sont crédibles, transparentes, et c'est ça même le gage du développement ainsi que de la paix. Alors cette fois-ci, l'Église est là pour leur permettre que ces enjeux électoraux puissent se passer de manière transparente, crédible et comme vous le savez. Tout ce temps, la politique marche ensemble avec l'Église. Vous savez que l'Église, c'est ça même la lumière. Christ a dit à l'apôtre Pierre que tu es Pierre, sur cette église, je bâtirai l'Église. Et je vous dis que c'est l'Église qui est en train de former l'homme qui doit être au centre des valeurs. Or, tous les politiciens sont nos enfants dans les églises. Vous voyez même le chef de l'État lui-même, il appartient, il est fidèle à une église, vous connaissez son pasteur. Donc si aujourd'hui vous voulez séparer la politique et l'église, donc vous êtes ennemi du développement et de la paix de notre pays. Alors merci pour la parole. Moi c'est la présidente provinciale de l'UVT, Union pour les valeurs du sécurisme. Nous avons lancé le début de nos activités ensemble, vous l'avez dit, même avec l'UEIC, l'Union des églises indépendantes, justement pourquoi, comme il a dit, ils nous ont choisis parce que vous savez que l'église, elle est dans, au Congo, en fait, en général, elle joue un rôle à part entière dans notre pays et un petit peu dans la gestion du pays. Alors, on a choisi justement la confession religieuse pour qu'ils puissent être nos partenaires aussi ensemble pour chevaucher avec nous durant cette année électorale. C'est justement parce que nous prenons les mêmes valeurs et nous mettons Dieu au centre de nos priorités. Nous, à l'UPT, c'est Dieu qui est au centre de nos activités. Donc, d'après nos slogans, c'est Dieu, avec Dieu, nous ferons nos exploits. Donc, ensemble avec eux, nous allons faire un chemin ensemble justement pour montrer aux gens que et les églises font partie intégrante de la politique de notre pays. Léo, tu n'as pas été à APA, où il y a rencontré Yétou, il y a UVT, la Union, il y a l'Église indépendante, il y a Moukongo. En fait, nous avons dit que nous avons que l'Union a eu partenariat, il n'y a pas que Léo, tu n'as choisi, UVT n'a choisi l'Union, il y a l'Église indépendante, pour que tu cheminais ensemble, il y a l'élection qu'on a eu. Bon, Dieu a dit l'église parce que l'église, il qu'on apprenait ma valeur, moya moya na UVT. Ces mêmes valeurs qui sont apprises, bon, ben, il faut déjà ma église, ma canissa, Dieu a ma valeur, na chier, tout qu'on apprenait, tout qu'on apprenait mon UVT. Ça veut dire, attends, comme on a gardé ma loi, ma loi, ma constitution, la calaka tirée, ma Bible.